Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur CGDN Français. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Le groupe terroriste État islamique revendique la double explosion à Kerman. Selon le ministre israélien de la Défense, la campagne militaire est désormais menée de manière plus ciblée. 72 heures après les catastrophes meurtrières au Japon, on dénombre 92 morts et 242 disparus. Le chinois BYD détrône Tesla en tant que numéro 1 mondial dans la construction et la vente de véhicules électriques. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué la responsabilité de la double explosion qui a tué plus de 80 personnes en Iran. Les explosions se sont produites mercredi lors d'un événement commémoratif en l'honneur du commandant iranien Qassem Soleimani, qui avait été assassiné par un drone américain en 2020. L'Iran a qualifié les explosions meurtrières de mercredi dans la ville méridionale de Kerman d'attaques terroristes. L'une des plus importantes en Iran depuis de nombreuses années. Quelques heures après les explosions, le président Ebrahim Raisi, qui devait prononcer un discours dans la grande mosquée Moussala à Téhéran, a réagi à l'incident. Sachez que vous paierez un lourd tribut pour ce crime horrible. Des milliers de personnes se rassemblaient mercredi dans le cimetière de la ville de Kerman pour commémorer l'anniversaire de l'assassinat du général Qassem Soleimani, perpétré par un drone américain il y a 4 ans. La première bombe a explosé à quelques centaines de mètres seulement de la tombe de Qassem Soleimani. Les gens, effrayés, se sont mis à courir et environ 15 minutes plus tard, une deuxième explosion plus puissante, semble-t-il, s'est produite. Selon le ministère iranien de l'Intérieur, les éclats et les débris projetés par les explosions ont été la principale cause des décès et des blessures. Après les attaques terroristes de mercredi dans le cimetière de Kerman, les blessés ont été majoritairement transférés dans cet hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. Le lendemain de l'incident, les principaux responsables du pays, dont le vice-président, le ministre de la Santé, ainsi que le commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique, se sont rendus à l'hôpital pour rendre visite aux blessés. Le personnel médical a décrit les scènes chaotiques qui se sont produites au cours des premières heures qui ont suivi les explosions. J'ai été appelée par l'hôpital et j'ai appris ce qui s'était passé. Je me suis immédiatement rendue à l'hôpital. La situation était épouvantable. Il y avait de nombreux blessés de Kerman et d'autres villes. Un certain nombre de blessés ont été touchés par du shrapnel. D'autres ont été blessés aux membres ou à l'abdomen. J'ai également parlé à quelques témoins oculaires qui m'ont fait part de leur expérience. Je me promenais parmi les arbres. J'ai entendu un son épouvantable. Le souffle m'a projeté sur le sol. Je n'entendais pratiquement plus rien. Les gens autour de moi étaient morts ou blessés. Nous avons entendu une horrible explosion. Les parents et les enfants étaient tous paniqués. Mon enfant n'arrêtait pas de pleurer. Jeudi matin, le groupe terroriste État islamique a revendiqué la responsabilité des attaques meurtrières, accusant le général Soleimani d'être à l'origine de dizaines de massacres de ses membres en Irak et en Syrie. Israël a intensifié ses opérations aériennes et terrestres dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, affirme que la campagne militaire est désormais menée de manière plus ciblée. Il s'est engagé à poursuivre les dirigeants du Hamas dans le sud de Gaza, tout en cherchant à libérer les derniers otages détenus par les combattants palestiniens. Il a également déclaré qu'après le conflit, la bande de Gaza serait gérée par des organes palestiniens tant qu'il n'y aura pas de menace pour Israël. D'autre part, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, effectue une visite au Moyen-Orient. Washington précise que ce déplacement a pour but d'empêcher l'extension du conflit. Dans la bande de Gaza, on a dénombré 125 morts en 24 heures. Après 3 mois de guerre entre Israël et le Hamas, des milliers d'étrangers, de binationaux et de résidents palestiniens déplacés de la bande de Gaza ont pu traverser le terminal de Rafah et atteindre l'Égypte pour échapper aux bombardements israéliens continus sur la bande, tandis que les hôpitaux égyptiens recevaient des dizaines de Palestiniens blessés. Reportage de notre correspondant en Égypte, Ashraf Massoud.
Après 3 mois de frappes dévastatrices, de combats acharnés sur le terrain, de déplacements continus et une aide humanitaire insuffisante, les habitants épuisés de Gaza aspirent à la fin de la guerre. Plus de 17 000 étrangers et binationaux, ainsi que des déplacés palestiniens, ont réussi à quitter Gaza via le poste frontière de Rafah, fuyant les bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Chacun d'eux est arrivé en Égypte avec de nombreuses préoccupations. Parmi eux, Mona Zorb, âgée de 57 ans. C'est un génocide. Savez-vous ce qu'est un génocide? Le quartier dans lequel je vis a été bombardé avec des bombes très puissantes, avec des milliers d'explosifs. 5e immeubles ont été bombardés, dont la maison d'un journaliste qui habite à côté de chez nous. Ces immeubles ont été démolis et tous leurs habitants ont été tués. Mes enfants et moi nous sommes séparés et avons fui avant ces bombardements. Et nous ne nous sommes rencontrés qu'après la fin des bombardements. Mona décrit également les souffrances des habitants de la bande de Gaza et des personnes déplacées en raison du manque de nourriture et de médicaments et appelle la communauté internationale à œuvrer pour mettre fin à cette guerre. J'appelle la communauté internationale à se tenir aux côtés du peuple palestinien mourant. J'ai passé une semaine malade, mais je n'ai pas pu trouver le traitement nécessaire. Je mendiais une tasse de lait pour m'aider à me nettoyer les poumons de la poussière et des traces de fumée résultant des explosions. Je crois que les explosifs qui pleuvent sur la bande de Gaza sont interdits au niveau international. Ce qui signifie que si on ne meurt pas à cause des bombes, on retrouve le corps défiguré par les brûlures. Alors que les autorités égyptiennes continuent de faciliter l'entrée des Palestiniens blessés en provenance de la bande de Gaza, le docteur Ahmed El-Mansour, directeur de l'hôpital général d'El Arish, a confirmé que l'hôpital était pleinement préparé à accueillir les blessés palestiniens et effectuer des opérations chirurgicales grâce à la présence d'une équipe médicale de haut niveau, en plus de soutenir l'hôpital d'El Arish avec un certain nombre d'autres médecins protocolaires provenant de 4 universités égyptiennes. Hôpital Al Arish est considéré comme l'un des plus grands hôpitaux du gouvernorat du Nord Sinaï. Nous avons reçu la plupart des cas provenant de Gaza et nécessitant des interventions chirurgicales majeures dans toutes les spécialités. L'hôpital dispose d'une équipe complète de spécialistes chirurgicaux, qu'il s'agisse de médecins travaillant à l'hôpital ou provenant de diverses universités et instituts médicaux. Nous avons effectué plus de 140 interventions chirurgicales, notamment de la chirurgie générale, de la chirurgie plastique, de la chirurgie vasculaire, cérébrale, nerveuse et osseuse. Depuis le 21 octobre dernier, l'aéroport égyptien d'El Arish a accueilli plus de 350 vols d'aide humanitaire destinés aux habitants de la bande de Gaza, en provenance de divers pays arabes et étrangers. Tandis que le terminal de Rafah a vu le passage de plus de 6000 camions transportant d'aide humanitaire en faveur de la bande de Gaza. Achraf Masoud pour CGTN Français. Le Soudan a rappelé son ambassadeur au Kenya pour consultation et afin de protester contre l'accueil du chef des paramilitaires Mohamed Hamdan Dagalo par Nairobi. Le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim a déclaré que les consultations couvriraient toutes les possibilités d'évolution des relations entre le Soudan et le Kenya. Il a également accusé le Kenya de soutenir et d'accueillir les chefs rebelles et leurs partisans. Mercredi, le président kényan William Ruto a reçu M. Dagalo à Nairobi. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée de M. Dagalo en Afrique de l'Est, y compris l'Ouganda, l'Éthiopie et Djibouti. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces gouvernementales et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Plus de 12 000 personnes ont été tuées dans les combats. Un jeune homme de 17 ans a commis une fusillade dans un lycée de Perrytown dans l'État américain de l'Iowa. Un élève de 6e a été tué et 5 autres ont été blessés. Selon les responsables des forces de l'ordre, le tireur s'est suicidé après avoir retourné l'arme contre lui-même. Les 5 blessés, dont 4 élèves et un administrateur, sont soignés à l'hôpital. Jeudi était le premier jour de la rentrée scolaire à Perrytown après les vacances d'hiver. La fusillade s'est produite avant le début des cours. Plusieurs districts scolaires voisins ont pris des mesures de sécurité après la fusillade. Nous nous tournons maintenant vers le Japon. Le bilan du tremblement de terre survenu le jour de l'an dans la préfecture centrale d'Ishikawa s'est alourdi à 92 morts.
242 autres personnes sont toujours portées disparues et la première fenêtre de 72 heures pour les opérations de recherche et de sauvetage vient de se refermer. Selon les autorités locales, le séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter, suivi de plusieurs centaines de répliques, a fait au moins 305 blessés dans la préfecture. Jeudi, près de 95 000 foyers ont subi des coupures d'eau dans plusieurs régions d'Ishikawa en raison de dommages causés aux canalisations. Le gouvernement prévoit de débloquer environ 27 600 000 dollars de fonds de réserve destinés aux opérations de secours. Les autorités indiquent qu'un navire de transport acheminant de la nourriture et des fournitures de première nécessité devrait arriver au port de Wajima ou de Nanao dans la préfecture d'Ishikawa d'ici ce vendredi soir. Des images de la chaîne japonaise TBS montrent que le personnel aéroportuaire a commencé à déblayer l'épave de l'avion de la Japan Airlines impliqué dans la collision survenue mardi dernier. L'avion passager est entré en collision avec un turbopropulseur des gardes-côtes japonais sur la piste d'atterrissage de l'aéroport Haneda de Tokyo. Toutes les personnes à bord de l'avion de ligne ont pu s'échapper avant que l'appareil ne soit la proie des flammes. 5 des 6 membres d'équipage de l'avion des gardes-côtes ont été tués. L'avion des gardes-côtes devait livrer des secours à la région touchée par le séisme de lundi. Les autorités des transports enquêtent sur l'accident. Le personnel aéroportuaire a commencé jeudi à retirer l'avion des gardes-côtes. Plus de 200 vols domestiques à destination et en provenance de l'aéroport prévu pour vendredi ont été annulés. Plusieurs régions du nord-ouest de l'Europe ont dû faire face à la dernière d'une série de tempêtes atlantiques qui ont provoqué des chutes de pluie ou de neige sur des sols déjà saturés. Dans le nord de la France, les équipes de secours ont aidé à évacuer les habitants de la ville inondée d'Arc dans le département du Pas-de-Calais. Reportage. Des bateaux là où il devrait y avoir des voitures et des routes qui deviennent des rivières. Le nord de la France est à nouveau inondé 6 semaines seulement après le débordement des rivières en novembre. Mis en sécurité, les habitants de plusieurs villes du nord commencent à perdre patience face à la persistance du temps pluvieux. La première fois, on se dit que c'est un coup du sort, mais là, une deuxième fois dans la foulée, ça commence à faire mal. À un peu tout, quoi, que ce soit au moral ou au portefeuille, on va se demander comment on va s'en sortir. Fatigué, ça fait 3 nuits qu'on dort pas. Fatigué, puis ras-le-bol, et puis bon, bah, c'est toujours faire les mêmes choses, c'est nettoyer, c'est... C'est toujours foutu. Ah bah, puis on a toujours peur maintenant. Dès qu'il pleut, on a peur, on vient voir la rivière, même en pleine nuit. En Bretagne, le fleuve Laïta est sorti de son lit cette semaine après que les restes de la tempête Haine qui a frappé le Royaume-Uni ont également balayé les côtes françaises de la Manche. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité et plusieurs départements du nord de la France ont été placés en vigilance orange et rouge pour cause d'inondation. L'Union européenne a accordé à la France une aide au titre de son mécanisme de protection civile afin de mobiliser une assistance d'urgence permettant de faire face aux conséquences des inondations. Cependant, cette aide est arrivée trop tard pour la commune de Blendecque, située au sud de Calais, où on ressent comme un air de déjà-vu. C'était la ville il y a 1 mois et demi et maintenant elle commence la nouvelle année comme elle a terminé la précédente, submergée. Ce jeudi 4 janvier au matin, la conférence de presse sur l'année sino-française du tourisme culturel s'est déroulée à Beijing, au musée du Palais impérial. À cette occasion, un programme d'activités exceptionnel a été présenté pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Reportage. La cité interdite. Cet ancien palais impérial chinois témoigne d'innombrables histoires depuis plus de 600 ans, dont celle entre la Chine et la France. Ce 4 janvier 2024, c'est aussi dans la cité interdite, devenue musée du palais impérial, qu'est annoncée la programmation de l'année sino-française du tourisme culturel.
une programmation qui prédit le début d'une série d'événements destinés à célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises. En avril dernier, le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron, en visite d'État, ont annoncé conjointement l'organisation de l'année sino-française du tourisme culturel à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ces dernières années, le musée du Palais a établi des partenariats fructueux avec plusieurs institutions culturelles françaises, dont le Louvre, le château de Versailles et le musée Guimet, et a mené une coopération approfondie avec la partie française dans les domaines de l'échange d'expositions, de la protection des vestiges culturels, de la recherche universitaire et de la gestion des musées. À travers ces occasions de découvrir ou de redécouvrir la culture de l'autre, nous espérons que nos concitoyens auront l'envie de venir découvrir par eux-mêmes nos plus beaux sites touristiques et patrimoniaux. Et deux sites parmi les plus emblématiques de nos deux pays ont ainsi été choisis pour incarner cette ambition. La cathédrale Notre-Dame de Paris, qui rouvrira fin 2024 après plusieurs années de travaux, et le Temple du Ciel de Pékin. Vous les trouvez l'un et l'autre sur le logo de l'année du tourisme culturel dévoilé il y a quelques semaines par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et son homologue chinois, M. Wang Yi. Conjuguant culture et tourisme, l'initiative de l'année sino-française du tourisme culturel vise à offrir une plongée au cœur des œuvres classiques soigneusement sélectionnées, à travers des expositions, des spectacles, ainsi que des expériences numériques et immersives. C'est à noter, entre autres, l'exposition Le Château de Versailles et la Cité interdite au printemps. Cette exposition a pour thème les échanges diplomatiques, culturels et artistiques entre la Chine et la France de la seconde moitié des XVIIe et XVIIIe siècles. À cette époque, la Chine et la France étaient très proches et nos cultures s'inspiraient les unes des autres. 181 œuvres provenant des collections du château de Versailles et du musée du Palais, qui témoignent des échanges entre les cours de Chine et de France, seront présentées. Pour la première fois dans l'histoire, trois empereurs chinois, Kangxi, Yongzheng et Qianlong, et trois rois français, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, seront présentés au sein d'une même exposition. Cette année sera l'année du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, mais c'est aussi la première année où, véritablement, après la page de crise sanitaire, nous pourrons à nouveau célébrer les échanges humains entre nos deux pays dans des conditions, si je puis dire, normales, et donc relancer la coopération, relancer la création, relancer les échanges entre nos deux pays. Et donc cette année, ce veut vraiment un moyen à la fois de valoriser l'existant, mais aussi de redynamiser nos relations et d'ouvrir une nouvelle page et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans notre coopération culturelle. Depuis le 1er décembre, les ressortissants français peuvent entrer sur le territoire chinois sans visa pour une durée maximum de 15 jours. Madame Colonna a aussi annoncé de nouvelles mesures relatives aux visas français destinés aux Chinois. Depuis un mois, ces nouvelles mesures de visa ont bénéficié à la mobilité entre les deux pays. L'année du tourisme culturel servira de nouveau catalyseur à l'intensification des échanges humains entre la Chine et la France. Marouille, CGDN français, Pékin. Le chinois BYD a détrôné Tesla en tant que constructeur de véhicules électriques le plus vendu au monde, en vendant plus de véhicules de ce type au quatrième trimestre 2023 que jamais auparavant. Selon les experts, cette tendance pourrait se poursuivre au cours de la nouvelle année. Reportage à Austin, dans l'état du Texas, où se trouve le siège de Tesla. Ce détrônement semblait inévitable car depuis un certain temps, BYD n'a cessé de progresser dans le classement des véhicules électriques. Cette entreprise est devenue une préférence pour les consommateurs à la recherche de véhicules électriques moins chers et plus intelligents. Mais passer devant Tesla relève de l'exploit, ce que le constructeur chinois a tenu à souligner. Dans un communiqué, il s'est qualifié de champion du monde des véhicules à énergie nouvelle après avoir vendu un nombre record de véhicules électriques au quatrième trimestre de l'année dernière. Le constructeur a vendu plus de 526 000 véhicules entièrement électriques, ce qui a suffi à dépasser Tesla, qui a livré un peu moins de 485 000 véhicules électriques, ce qui constitue également un record.
Tesla a réussi à conserver sa place de premier vendeur de véhicules électriques au monde pour toute l'année dernière, mais les experts affirment que cela pourrait changer en 2024. D'une part, Tesla perd des parts de marché à mesure que les constructeurs automobiles, nouveaux et anciens, s'emparent du marché des véhicules électriques. La hausse des taux d'intérêt entraîne d'autre part une augmentation des coûts d'emprunt aux États-Unis, l'un des principaux marchés de Tesla. L'entreprise a donc réduit ses prix pour séduire les acheteurs, ce qui pourrait à terme réduire ses bénéfices. BYD, quant à elle, se développe rapidement. Les ventes de ses véhicules purement électriques ont augmenté de 73 % l'année dernière, en partie grâce au soutien du gouvernement chinois qui a fait de la transition énergétique une priorité absolue. Et si ces voitures ne sont pas encore disponibles aux États-Unis, BYD fait des percées significatives en Europe. Le mois dernier, elle a annoncé la construction de sa première usine de véhicules électriques particuliers en Hongrie, ce qui lui permettra d'accéder plus facilement au potentiel marché de 450 millions de consommateurs de l'Union européenne. BYD dispose en outre d'un avantage majeur que beaucoup de ses concurrents n'ont pas. Elle contrôle entièrement ses chaînes d'approvisionnement, des mines à la production de batteries et de semi-conducteurs. Cela signifie qu'il sera de plus en plus difficile pour Tesla de conserver sa position de leader et pour d'autres entreprises de dépasser BYD. La Chine redouble d'efforts pour faire progresser la science et la technologie et cultiver les talents pour faire avancer la modernisation. Un exemple de mécanisme efficace pour y parvenir se trouve à Beijing, où le parc scientifique de Fangshan a adopté le modèle bureau à l'avant et usine à l'arrière. Beijing est réputé pour être un centre de talent, en particulier dans des zones comme Zhongguancun, où de nombreux experts techniques et autres entrepreneurs sont réunis. Dans la partie sud-ouest de la capitale, en particulier dans le district de Fangshan, il existe un parc scientifique particulier qui adopte le modèle opérationnel bureau à l'avant et usine à l'arrière. Au sein du parc scientifique Zhongguancun de Fangshan, on peut observer une intégration continuelle d'études, de recherches, de fabrication et d'applications. Cela inclut la remarquable base de fabrication haut de gamme que j'ai eu l'opportunité de visiter aujourd'hui et qui s'étend sur une superficie impressionnante de 7,4 km². Zhongguancun répond aux besoins des entreprises en matière de recherche et de développement en mettant à leur disposition des espaces de bureaux tout en proposant des usines standards pour répondre à leurs exigences de production. De façon simultanée, la cité universitaire de Liangxiang a mis en place un mécanisme de culture des talents spécialement conçu pour les entreprises locales. L'ensemble de ces éléments forme un écosystème qui intègre parfaitement l'étude, la recherche, la fabrication et la mise en œuvre. Dans le cadre de mes entretiens au sein du parc scientifique de Fangshan, j'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants de deux entreprises. Ils m'ont tous deux confié que leurs entreprises respectives avaient connu une croissance significative suite à leur installation dans le parc. Le parc scientifique a mis à notre disposition des bureaux spacieux d'une superficie de 5000 m². Idéalement situé de l'autre côté de la rue, notre usine occupe une surface impressionnante de 30 000 m², ce qui nous permet d'atteindre une capacité de production annuelle de 6 gigawattheures. L'intégration de nos bureaux et de notre usine au sein d'une même zone a grandement facilité notre développement en offrant des services pratiques. Depuis notre installation dans le district de Fangshan il y a 2 ans, nous avons été honorés par de nombreuses récompenses. Par exemple, en étant sélectionnés comme PME spécialisée de Beijing en 2023, pour nos contributions et réalisations exceptionnelles. Depuis notre relocalisation dans le parc du district de Fangshan en 2019, nous avons réalisé des avancées significatives pour la promotion de 3 nouveaux avions sans pilote d'une capacité de 200 kg à 1 tonne. Le parc scientifique de Fangshan a adopté une approche proactive en établissant un parc industriel dédié aux équipements d'urgence. Cette démarche stratégique a attiré de nombreuses entreprises tout au long de la chaîne industrielle, facilitant la collaboration et le développement global de l'industrie. De plus, nous sommes profondément reconnaissants de la rare opportunité que nous avons obtenue à Beijing en demandant avec succès l'autorisation de piloter nos avions sans pilote. Outre les commodités liées au travail, le parc scientifique offre également des espaces multifonctionnels visant à améliorer les conditions de vie des employés. Au sein du parc scientifique, 720 appartements sont disponibles pour les travailleurs scientifiques, ainsi que des salles d'études, des magasins et une aire d'exercice de 3000 m². Cet espace bien conçu et bien équipé joue un rôle essentiel dans le développement rapide et de haut niveau de l'innovation et de l'économie chinoise.
La ville de Luoyang, dans le centre de la Chine, possède une histoire vieille de 4000 ans et a été l'ancienne capitale durant 13 dynasties. Aujourd'hui, elle s'efforce de tirer parti de son riche patrimoine historique et culturel pour attirer les visiteurs. Durant les vacances du Nouvel An, la ville a lancé une série d'activités immersives pour ceux qui veulent expérimenter sa gloire resplendissante. Quelle est l'expérience que vous vivez lorsque vous entrez dans un musée silencieux la nuit et que vous ressentez les hauts et les bas de l'histoire? Pendant les vacances du Nouvel An, le musée de Luoyang a lancé une activité de visite immersive. À travers 5 courtes pièces de théâtre relatant des faits historiques, sont présentées 6 reliques culturelles. Les performances des acteurs plongent le public dans le contexte historique de ces reliques, permettant aux touristes d'engager un dialogue avec ces artefacts à travers le temps et l'espace. Sur la base du concept de développement actuel de notre musée, nous voulons donner vie aux histoires ou des reliques culturelles. Ainsi, davantage de personnes sont intéressées par la compréhension de ces histoires. La création de ces expériences immersives est également une tentative de raconter des histoires d'une manière que le public, en particulier les jeunes, est le plus disposé à écouter. Cette approche immersive résout le problème des explications traditionnelles des musées qui manquent d'éléments narratifs. L'activité immersive a gagné en popularité sur le marché, attirant de nombreux touristes qui viennent en faire l'expérience directe. La ville ancienne de Luoyi présente des scènes traditionnelles de l'apogée de Luoyang pendant la dynastie des Tang. Une promenade dans cette ville ancienne évoque un fort sentiment culturel. Depuis l'année dernière, on assiste à un engouement pour le Hanfu dans tout le pays. En s'appuyant sur son riche patrimoine historique et culturel, Luoyang a recréé une expérience immersive pour les touristes. Ici, quel que soit le sexe ou l'âge, le port du Hanfu ne semble pas déplacé, ce qui souligne l'intégration profonde entre la ville et la culture du Hanfu. De nombreuses villes ne sont pas comme Luoyang. Les gens peuvent trouver étrange de border le Hanfu dans de nombreuses autres villes. Mais à Luoyang, lorsque vous venez ici, en bordant le Hanfu, vous pouvez vous immerger dans la vie des anciens. Bien que les costumes traditionnels chinois ne soient que des vêtements, ils représentent des milliers d'années d'histoire chinoise. Luoyang a également lancé un certain nombre de spectacles immersifs pour les touristes. L'impact visuel des scènes de théâtre ainsi que la narration poétique donneront au public le sentiment de se retrouver sur un long fleuve de l'histoire et de ressentir la magnificence de la civilisation chinoise. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur CGTN Français.